Suivez Suzoué Chanel de témoignages. Oui, ça fait 3 jours que je sens une boule au niveau des aisselles. 3 jours, oui, papa, vous sentiez une boule sous les aisselles là. La boule. Une boule, oui, papa, ça a commencé à faire mal. Bon, j'ai dit que je vais d'abord venir la nuit des flammes avant d'aller me faire consulter. Tout à l'heure, pendant la prière, là, la boule a disparu et la douleur aussi. La boule a disparu, la douleur a disparu. Oui, si tu n'acclames pas, c'est que tu n'es pas sérieux. J'avais une douleur au bras depuis le mois de décembre. Au fur et à mesure que les mois passaient, ça s'aggravait, auquel je ne pouvais plus soulever le bras. Mais depuis la prière, là, je vois comment je... Le bras se lève, ça se baisse. Quelqu'un célèbre Jésus ce soir. Tout à l'heure, au ventre, depuis que je suis arrivé, et dès qu'on a prié, là, les crampes et les combattus sont partis. C'est déjà parti. Et vous êtes déjà guéri. Elles sont pas acclamées Jésus. Oui, clap for Jesus. Jusqu'à. Je sens mal jusqu'à. Vous sentiez mal. Oui, ici là. Mais pour le moment, ça baisse. Ça n'est plus comme avant. Je me sens mal. La douleur est en train de baisser. Oui, après la prière. Est-ce qu'il y avait des mouvements que vous ne faisiez pas avant? Oui. Oui, lequel mouvement que vous pouvez maintenant faire? Je ne pouvais pas courir fort, mais pour le moment, ça baisse. Je cours un peu fort. Amen. Elles sont pas acclamées Jésus. Au village, ça fait à peine une semaine. Quand je suis rentré, j'ai commencé à sentir une douleur au niveau des testicules. Bon, tout à l'heure, quand on priait, j'ai senti comment la douleur est partie. Et maintenant, comment vous vous sentez? Je me sens à l'aise. À l'aise. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pendant qu'il se sent à l'aise, tu te sens aussi à l'aise au nom de Jésus. Ou bien derrière. Depuis une semaine, je sens bien. Ça fait mal. Avec les douleurs, s'il vous plaît. Depuis que c'est arrivé, c'est encore baissé, moi. Pardon? Depuis que c'est dedans, c'est encore de baisser. Encore de baisser? C'est encore de baisser. Est-ce qu'il y a des mouvements que vous ne faisiez même pas du tout avant? Je ne pouvais pas me coucher comme ça. Vous ne pouvez même pas vous courber. Mais maintenant, vous faites ces mouvements. Je travaille, je tire mon corps comme ça, ça me faisait mal. Et maintenant, vous pouvez vous étirer? Je peux bien m'étirer. Alléluia. Elles sont pas acclamées Jésus. J'avais mal à la tête. Quand papa a demandé qu'on impose les mains sur nos têtes, il y avait quelque chose qui marchait toujours dans ma tête. Quand il a demandé qu'on impose les mains sur nos têtes, j'ai commencé à prier. C'est bien après que j'ai ressenti comment quelque chose est quitté dans ma tête. Maintenant, ma tête est libre. La tête est libérée. Elles sont pas acclamées Jésus. La tête est libérée. Ta tête aussi sera libérée au nom de Jésus. Oui, bonsoir. Bonjour, pardon. Bonjour. Je suis arrivé ici, donc j'avais... des vertiges, beaucoup de vertiges. Aujourd'hui, là, maintenant, alors qu'il est, j'en ai quand même beaucoup moins. J'avais du diabète et j'avais des douleurs aux reins. Donc, j'ai l'espoir que ça guérisse grâce aux prières aussi. Et je fais aussi des prières maintenant depuis. Et depuis que vous avez posé la main sur la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que depuis que on m'a posé la main sur la tête, ça va quand même un peu mieux, oui. S'il y a un changement. Il y a un changement. Elles sont pas acclamées Jésus pour ce changement. Tout à l'heure, quand je suis arrivé là, j'avais des douleurs atroces au niveau du bas-ventre. C'est pour même quand papa prêchait, n'arrivait même pas à rester debout. Quand il venait même se mettre debout, je ne pouvais pas me lever. Mais quand on a commencé les sujets de prière, d'autorité, je sentais comment mon bas-ventre, comme s'il y avait une bagarre entre deux personnes. Après ça, j'ai senti comment un vent est passé. Hop. Après ça, la douleur est partie complètement. Je me sens, j'arrive même pas à rester debout longtemps comme ça. Mon bas ventre est libéré, c'est léger. Gloire à Dieu. La guérison est scellée dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quand je suis arrivé, j'avais mal de genou. J'avais franchement mal au genou. Et quand on nous a dit de poser les mains sur la tête, en priant, mon ventre a commencé à faire mal à un niveau que... Après un temps, ça a disparu. Complètement disparu. Oui. Le mal de genou aussi est parti. Oui. Est-ce qu'il y a des mouvements que vous ne faisiez pas avant? Oui. Est-ce que maintenant vous pouvez les faire? Je n'ai pas fait mes genoux. Ah, plie pour que nous voyons. Non, j'avais même la peine pour ma genou. Est-ce que tu peux t'agenouiller, tu te redresses pour voir le miracle que le Dieu du Père a eu à faire? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que depuis que je suis arrivée cela vers 12h, je n'avais pas de problème. Mais quand la prière a commencé, j'ai eu les violents maux de tête. J'ai pris l'huile de faveur, j'ai frotté sur moi. Oui. Ça fait aujourd'hui 2 mois que moi j'avais l'éjaculation précoce. Avec les violents maux de tête, quand ça vient, ça part avec mes yeux.
tout à l'heure, quand je suis en train de prier, j'ai senti une douleur au niveau de mes testicules, une poussière. De ma partie intime. Moi, actuellement, j'ai envie de me mettre à l'aise. Je savais que j'étais un jour, je veux d'abord venir me témoigner. Tu avais quoi? Ça, c'est le genre de témoignage que c'est moi qui traite. Ça, c'est le dossier du père. Qu'est-ce quoi? Je dis que. Je suis quand même joyeux parce que j'avais les accélérations précoces. Hein? Oui. Tout à l'heure, quand je suis en train de prier, j'ai senti un truc au niveau de mes testicules, oui, qui dérangeait, qui bousillait. Maintenant, j'ai envie de jeûner. Oui. Quand tout à l'heure, j'ai dit qu'on vient témoigner, il devrait d'avoir venu témoigner avant de sortir avec les maux de tête, les violents maux de yeux. Et c'est ça qui me traumatisait. Et c'est fini. Et pour le moment, il va aller me mettre à l'aise. Ça fait de maman. Et tu as fait comment pour savoir que tu as l'éjaculation précoce? En fait, avant, quand j'étais encore dans l'ancien monde, c'est ce que je peux dire. Ah, maintenant tu es dans le nouveau monde. Dans le nouveau monde. Ah, ok, ok. Si tu n'acclames pas, c'est que tu n'es pas gentil. D'accord, donc maintenant c'est bon. Non, c'est bon. D'accord, c'est bon, ça je comprends. Comme c'est dans l'ancien monde, tu peux aller uriner. On se voit tout à l'heure. Tout à l'heure, quand on a fait la prière de guérison, je vais rappeler que ça fait depuis de longues années que j'ai mal au pied. J'ai la goutte. Quand je venais ici, j'avais vraiment mal. Mais après la prière de guérison, je me sens bien. Est-ce qu'il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire avant, que vous faites maintenant? Il y a beaucoup. Venez ici devant, venez que les gens vous voient, s'il vous plaît. Je ne pouvais pas me couper. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Avant d'arriver ici, j'avais tellement mal à la poitrine. Ça fait de cela, je crois, 3 jours, j'étais allé à l'hôpital. Le docteur m'a dit, peut-être j'ai une infection, je ne sais pas, du poumon, cœur. Il a dit, je dois faire une radio et tout ça. Il m'a prescrit des médicaments à boire, mais jusqu'à présent, avant d'arriver ici, j'avais toujours cette douleur. Quand je respirais, j'avais cette sensation, j'avais mal au dos. Et c'est comme s'il y avait un fardeau sur mon épaule qui pesait. Et quand je suis arrivée, je me suis inscrite à la ligne de prière. Après la prière, le papa que vous avez fait, j'ai senti une guérison. Je suis libérée. Je rends grâce à Dieu. Et vous êtes complètement libérée. Nous sommes contents pour votre libération. Et nous rendons gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde peut rendre gloire à Dieu? Rendons gloire à Dieu. Vous êtes une benguiste? Non, papa. Vous étiez dans un beng? Dans la Guinée équatoriale. Si en Guinée vous parlez comme ça, quand vous irez en France, ça sera comment, ma fille? Donnez-moi 5. Merci pour votre libération. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons avec nous. Amen. Tell her what I've said. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Oui, je bénis le Seigneur Jésus parce que quand je suis arrivée ce soir, j'avais les douleurs au bas-ventre. Puisque, bon, je n'ai pas les détails, mais maintenant je me sens bien après la prière. Amen. Bonsoir. Je voulais remercier le Seigneur pour la guérison que je viens d'avoir. J'avais les nerfs, ça fait 2 semaines, je ne tourne pas comme ça, ni comme ça. Ça me faisait mal tellement, même quand j'étais assise là. Mais après l'imposition de mains sur la tête là que tu as déjà prié, maintenant je suis délivré. Guéri. Alors fais les mouvements que tu ne faisais pas. Oui, je fais, je tourne. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Acclamons Jésus. Merci maman. Oui. Bonjour peuple de Dieu. Ça fait 6 mois que je suis à l'hôpital. On a découvert que j'avais le foie enflé. Mais la prière de papa, tout à l'heure, comme j'avais mal, la prière de tout à l'heure a fait le mal est parti.
Le mal est parti, tu ne ressens aucune douleur. Je ne sens plus mal. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons Jésus. Suivez sur les chaînes des témoignages.